début de septembre, chaque année depuis 1912, la ville de Québec prend un air de fête. C'est la grande semaine de l'exposition provinciale. De magnifiques constructions ont remplacé les installations de fortune d'il y a 30 ans. Aux allées de terre battues ont succédé de larges avenues pavées. Dans ce temps-là, on venait en boguée. Hudon parla à la grise. Maintenant, le parc de stationnement ne s'agrandit pas assez vite pour contenir le nombre sans cesse croissant des voitures automobiles. Pour commencer avec les choses sérieuses, allons voir d'abord les animaux primés qui font la gloire de l'exposition. Ce sont assurément les plus beaux types des races d'élevage préférées de nos cultivateurs. D'abord les Ayrshire. L'Ayrshire tire son nom du district d'Ayr en Écosse. Les premières Ayrshire venues en Amérique ont été importées en Canada durant la première moitié du 19e siècle. La race Holstein est très ancienne. Elle est originaire de Hollande, Pays-Bas d'une grande fertilité, ce qui explique sa grande taille. La race canadienne s'est formée dans la province de Québec, où elle fut améliorée par des éleveurs québécois. Elle descend de vaches amenées de Bretagne et de Normandie vers 1620 et antérieurement par les premiers colons du Canada. La canadienne a les mêmes ancêtres que la Jersey et la Guernsey. La province de Québec est justement fière de ces diverses races de bovins qui ne le cèdent en rien à celles des autres provinces et même des États-Unis. À preuve, les nombreux trophées remportés par les nôtres à toutes les grandes expositions de l'Amérique du Nord. Les officiels et les juges sont rayonnants. L'agriculture triomphe. Les envois agricoles sont plus nombreux que jamais. Près de 500 bêtes à cornes, environ 250 chevaux, pas moins de 300 porcs et moutons, sans compter plus de 1000 sujets de la basse-cour y sont représentés. La race chevaline est glorieusement représentée. La plus noble conquête de l'homme est aussi la plus belle à la parade. Ces admirables spécimens marquent bien les progrès de l'industrie de l'élevage. Ça fait son fin et c'est gentil comme tout. Le cheval canadien est originaire de la Bretagne et de la Normandie. Il descend des chevaux envoyés au Canada entre 1647 et 1670. Il fut pendant longtemps le seul cheval du Bas-Canada. Le cheval Clydesdale est originaire de la vallée du Clyde, au sud-ouest de l'Écosse. Des immigrants écossais l'introduisirent au Canada vers 1850. La race Percheron est très ancienne. Son nom vient de ce qu'elle a pris naissance dans l'ancienne province du Perche, en France, où son élevage est encore très prospère. La race belge est la principale race de chevaux élevée en Belgique. Magnifique champion dans toute sa gloire. Bouleau de Gambermont en personne.
Voilà pour l'agriculture. L'industrie et le commerce ne se laissent pas damer le pion. Le palais de l'industrie, qui groupe une centaine d'exposants, est sans rival au pays et fait l'admiration de ses 150 000 visiteurs. Le Colisée. Le jour, l'arène se remplit d'animaux de ferme qui passent devant les juges des concours agricoles. Le soir, le Colisée est un théâtre. 7000 personnes y trouvent place pour assister au grand spectacle de votre ville. Dans la promenade sous les gradins du Colisée, on peut admirer des centaines d'étalages formés de produits du parterre et du jardin, du rucher et de l'érablière. Si l'exposition offre de multiples moyens de s'instruire et de se renseigner, elle constitue en même temps un lieu d'amusement et de récréation unique en son genre. Un monde fou déambule dans la zone du Midway, parmi les boutiques foraines, les étrangetés de la nature, les salles à manger, les comptoirs de jouets et de souvenirs. Une musique entraînante accompagne ces heures de joyeuse détente. Quel tournoiement le long de ces avenues! Les petits avions, les grandes roues, les poulpes géantes! Si vous avez conservé un cœur jeune, vous ne passerez pas devant le manège des petits chevaux de bois sans vous arrêter. Il eût été surprenant que l'automobile ne fût pas venu faire concurrence aux chevaux de bois. Intitulons la scène « Première griserie du chauffeur ». Comme il fallait s'y attendre, les grands se mettent de la partie. Ces fauteuils vous font exécuter une valse étourdissante, c'est le cas de le dire. Un tour de boomerang vous change joliment les idées. La jeunesse a la tête solide. Je me demande pourquoi les singes attirent tant les foules. Et les heures passent. Chacun oublie ses soucis et les petites misères de la vie quotidienne. Le bazar ne serait pas complet sans le bingo et la roue de fortune. L'engouement des humains pour les jeux de hasard prend sa racine dans les plus profondes parties de l'être. La journée des orphelins est une innovation récente, chère au cœur du président. Voyez-le au milieu des enfants. Tous s'amusent follement. Et ils s'en retourneront bien gavés, les mains pleines de règles, de crayons, de sacs et les poches bondées de friandises. Tout ce qui concerne l'armée du Canada ne peut nous laisser indifférents. Les visiteurs de l'exposition ont pu voir un campement militaire en activité et admirer la bonne tenue de nos soldats. À certaines heures de la journée, des acrobates célèbres viennent exécuter leur tour devant la foule qui circule dans le parc. Ces audacieuses voltiges sur balançoire aérienne
suscite l'admiration, mais cause aussi bien des frissons d'angoisse. On risque tout de même sa vie en plongeant d'une hauteur de 100 pieds dans une cuve d'eau. Les cérémonies qui se déroulent chaque année en l'honneur des décorés de l'Ordre du Mérite Agricole et qui réunissent les plus hautes personnalités religieuses et civiles donnent lieu à de grandes manifestations qui ont pour objet la glorification de l'artisan du sol. À 2 heures de l'après-midi, devant la grande estrade, ont lieu les courses et le vaudeville. Les troupes de vaudeville sont nouvelles chaque année. Elles comptent parmi les meilleures que l'on puisse choisir. Certains de ces acrobates ont fait leurs preuves sur les plus grandes scènes d'Europe et d'Amérique. $4 000 en prix sont distribués aux gagnants des diverses classes de trot et d'amble. Chaque course
est une épreuve suivie par des milliers de spectateurs enthousiastes. Le propriétaire du vainqueur se voit attribuer le glorieux trophée. Les actes de vaudeville amusent les spectateurs entre les épreuves de course. Le temps passe trop vite. Nous n'avons pas vu les étalages d'une haute portée éducative présentés par les divers ministères du gouvernement. Il y a encore le pavillon de la petite industrie et de l'artisanat et le royaume des dames. Il faudra revenir. Le plus beau des météores tend son écharpe irisée au-dessus des têtes. Le firmament prélude ainsi aux feux d'artifice qui monteront de la terre à la fin de la soirée. Pour citer les paroles de l'honorable Adélard Godbout, premier ministre de la province, l'exposition provinciale nous permet de constater notre degré d'avancement dans tous les domaines, industriels, commerciaux, agricoles surtout, car une agriculture méthodique et progressive reste toujours le fondement sur lequel il faut édifier l'économie de notre province. Chaque année, venez donc en famille passer une journée à l'exposition provinciale. Tous, vous y puiserez des connaissances utiles et en emporterez d'heureux souvenirs que vous revivrez plus tard avec bonheur.